Où est-il encore? Georges est parti depuis des heures. À quoi me sert d'être une sorcière si je ne puis aider mon propre fils? Que quelqu'un me réponde. Croit-il que je ne le sache pas? Je sais très bien où il est, à l'étang magique, comme chaque jour. L'amour est dans son cœur. Georges est amoureux. Vous croyez que je l'ignore? J'ai tenté de guérir cette maladie. Est-ce que je perdrai mon adresse de sorcière? Non. Non, Sibyl. Est-ce que ma magie ne peut guérir les abcès, les morsures de serpents, les pieds plats, les compères loriaux et les idées noires? Si. Si, Sibyl. Et je ne pourrai débarrasser mon enfant de sa fièvre? Georges est un homme, un être humain. Humain, oui, mais c'est un enfant, un simple enfant de 20 ans. Il aime. Georges, amoureux, mais vous rêvez à son âge. Au lieu d'apprendre à la maison un bon métier, tel que le mien. Étant magique, remplis mes voeux, fais que je puisse la voir dans tes eaux. C'est ça, cherche-la. Elle est dans son palais. Non, continue, entre. Montre-moi la salle du trône. Cherche, dans le jardin secret. Cherche du côté du lac bleu. C'est ça. Voilà, elle est là. Oui, c'est elle. Fraîche a éteint le feu de votre colère, Altesse. Je suis au moins aussi furieuse qu'avant. Oh, princesse. Oh, je te conseille de jouer l'indignation, toi qui ne fais que ce qui te plaît. Tu peux être amoureuse ou cesser de l'être. Un chevalier un jour et un palefrenier l'autre. Moi, je pourrais aussi bien être prisonnière dans un donjon. Il est défendu que je parle à un homme ou qu'un homme jette les yeux sur moi. Il faut payer cher son bonheur de princesse. Même une princesse devrait avoir le droit d'aimer. Oh, Anne ne pourrait jamais le voir. Voir qui, mademoiselle? Celui que j'aimerais. Vous le rencontrerez un jour, princesse. Tu peux t'en aller. Mais votre robe? Je m'habillerai seule. Qu'allez-vous faire seule ici? Mais ce que je fais toujours, je resterai là à rêver. Princesse Hélène. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Laissez-moi. N'avancez pas, non. Ne soyez pas inquiète, je prendrai soin de vous. Hélène! Hélène! Sibyl! Sibyl, où êtes-vous? T'entends très bien, Georges. Inutile de crier. Il faut que je l'aie. Elle est en danger. Au nom de l'enfer, mon cher Georges, de qui parles-tu? Mais d'Hélène. Je l'aime depuis la première minute où je l'ai vue. Un reflet dans l'eau, et voilà que tu te crois amoureux, grand nigo. Il lui est arrivé un grand malheur. Laisse-moi d'abord voir de quoi il s'agit. Miroir magique, montre-moi vite ce qui tourmente mon fils. La princesse Hélène a disparu, sire. Elle n'est ni dans le jardin, ni dans ses appartements.
et nul ne l'a vu quitter le palais. Nous avons cherché partout. Alertez tous les gardes au Branton. Nous l'avons fait, votre majesté. Jusqu'à ce qu'on la retrouve, nul n'aura la permission d'entrer ou de sortir du palais. Qui est cet homme? Nous l'avons surpris alors qu'il cherchait à franchir la poterne. Il refuse de parler. Il y a bien des moyens de faire parler un homme. Sir Branton. Que votre majesté m'écoute et qu'elle cesse toute recherche. La princesse Hélène, votre fille, est dans mon château, dans un cachot. Qui êtes-vous? Lodak. Le sorcier? Je suis fier que ma réputation m'ait devancé. Lodak, vous dites que ma fille est dans votre château. Mais pourquoi? Quel tort vous ai-je donc causé? Pourquoi me faire ce mal? La raison est bien simple. Votre père a exécuté ma sœur pour sorcellerie alors qu'elle venait d'avoir 18 ans. Et depuis, j'attends que votre fille ait atteint ce même âge, afin que mon dragon puisse se repaître de la chair de la princesse. Lodak, je vous en conjure. Majesté, n'écoutez pas ce sorcier. Ne voyez-vous pas qu'il cherche à vous terroriser? Soyez prudent, Branton. Je ne le crains pas. Lodak, je trouverai votre château, je libérerai son Altesse et je vous tuerai. Trouver mon château est une tâche aisée. Il n'est d'ici qu'à une semaine de voyage. Vous devez suivre l'étoile d'or vers le nord. Mais ce qui est difficile, c'est d'y arriver vivant. Je réussirai. J'ai bien peur que non. Alors je sèmerai cette fléau le long du chemin qui va de votre château jusqu'au mien. Oui, je maudis l'homme qui tentera le voyage de la terreur. Nul ne parviendra à vaincre mes sept fléaux et à atteindre l'antre du dragon. Vos fléaux ne m'arrêteront pas. J'atteindrai votre château. La princesse sera le plat de choix qui nourrira mon dragon. Cela, dans 7 jours et 7 nuits à partir de 7 heures. Et maintenant, permettez-moi de me retirer. Sir Branton, ma fille va mourir. Non, sire, car je vais la sauver. Vous risqueriez les 7 fléaux? Pour Hélène, j'en risquerais des milliers. L'homme qui sauvera Hélène aura ma fille en mariage et la moitié de mon royaume. Ayez confiance en moi. Non, non, c'est moi qui sauverai la princesse, et non Sir Branton. Je l'aime. Crois-tu que je te laisserai affronter Lodak et sa sorcellerie? Je n'ai pas peur. Souviens-toi, il y a 300 ans, mon père et mon frère furent dévorés par le dragon de Lodak. Cependant, mes parents étaient eux aussi de très grands magiciens. Mais ils n'avaient pas la classe d'un Lodak, et je ne suis pas de taille à me mesurer à lui, je dois l'avouer. Je le crains presque autant que je le hais. Mais laissez-moi! Non, tu resteras à la maison, là où tu ne risques rien. Je t'accorderai tout ce que tu voudras, mais tu resteras là. Je ne vous demande que ma liberté pour aller au secours de celle que j'aime. Mais vous ignorez ce que c'est, vous qui n'êtes pas mortel. Je fais tout ce que j'ai pu pour t'aider. Oh, oui, je le sais, Sibyl. Est-ce que tu ne peux plus m'appeler mère? Pardon, mère. Tu avais juste 8 jours, lorsque notre roi, ton père et la reine sont morts de la peste. C'est moi qui t'ai trouvé et qui t'ai élevé comme mon fils. Oh, vous avez été si douce, si bonne, et je vous suis si reconnaissant. Mais je sens qu'il est temps que je parte. Je ne suis plus un enfant, j'ai 20 ans et j'aime Hélène. Oui, l'amour, tu m'en reparleras quand tu auras 400 ans. Pour un être humain, 20 ans, c'est assez vieux pour aimer et être malheureux. Accordez-moi ma liberté, mère. Oh, mon chéri, tu me donnes bien de la peine ce soir. Ah, diable, que les enfants sont donc cruels. Enfin, je veux te changer les idées. Regarde maman, mon chéri. Oh, mère, je connais déjà ce tour-là. Georges, jamais je ne t'ai vu ainsi, mon petit. Écoute, si tu veux te décider à oublier la princesse Hélène et Lodak, je te montrerai les cadeaux que j'ai choisis pour ton 21e anniversaire.
Quelle sorte de cadeau, mère? Allons, viens, Georges. Je vais te les montrer. Magnifique. Il sera à toi quand tu auras 21 ans. Il s'appelle Bayard. Ce n'est pas un cheval ordinaire. Il a des dons magiques. C'est le cheval le plus rapide du monde. Aucun autre coursier ne peut le battre. Regarde. Pour monter ce cheval, tu porteras ce costume-là. Est-ce qu'il possède aussi des dons magiques? Nulle arme ne peut le transpercer. Et ceci, c'est Ascalon, le glaive d'acier. Sais-tu qu'il n'y en a jamais eu de pareil? Il défie tous les autres dans la bataille. Pense que la magie noire est vaincue par le contact de cette lame. Tu vois, tout sera à toi lorsque tu seras majeur. Alors, je te laisserai affronter Lodak pour me venger et pour te venger de lui. Oui, avec son aide magique, je peux sauver la princesse. Non, tu es trop jeune pour savoir t'en servir. Oh, laissez-moi tenir ce glaive. Juste pour me rendre compte, je vous en prie. Rien que pour un instant. Comme tu voudras. J'ai la sensation qu'il fait partie de mon corps. Oh, quelle force ça donne! Bien sûr. Allons, viens. À présent, je voudrais encore te montrer autre chose. Qui sont-ils? Autrefois, ils furent les 6 plus vaillants chevaliers du monde. Ah oui? C'est de la vraie magie noire, mère. J'aimerais être l'auteur de ce sortilège. Mais je n'ai jamais eu autant de talent. Non, c'était mon frère. Que dis-tu d'Ascalon, Georges? Sensationnel. Mon glaive a fait ça? Certainement. Un coup de sa lame et aussitôt s'ouvre ou se ferme plancher, porte, mur et pont-levis. Et il les ferme aussi, vous êtes sûr? Qu'y a-t-il en bas? Oh, il y a bien des siècles que je n'y suis descendu. C'est là qu'autrefois mon frère aîné entreposait ses formules, talismans, filtres magiques, envoûtements, etc. Veux-tu voir? Si le sol se refermait, y aurait-il un autre moyen d'en sortir? Oui, mais c'est un travail inouï. Un cousin a mis 77 ans pour préparer un filtre qui a fait sauter le toit. Mais n'aie pas peur, Georges. Il suffit de laisser l'entrée ouverte derrière nous. Oh non, mais j'ai pas peur. Descendez la première. Suis-moi. Oui, oui, mère. Au revoir, mère! Georges, mon fils! Ouvre-moi tout de suite! Tu ne vas pas me laisser là! Pense à mon cousin! Je viendrai vous délivrer quand j'aurai sauvé la princesse Hélène! Mais si tu ne peux pas revenir! Avec mon cheval magique, mon armure magique et Ascalon, mère, je ne puis échouer! Mais tu ne connais pas l'audace, Georges! Georges, délivre-moi! Georges! J'avais d'aussi braves compagnons, je n'aurais rien à craindre. Mon
Monseigneur, vous avez mis longtemps à venir nous délivrer. Mais laissez-moi vous dire, au nom de mes amis, merci bien. Monseigneur, nous sommes à vos ordres. Votre Majesté, je mets mon glaive à votre service. Ma vie vous appartient totalement, et mon cœur appartient à la princesse Hélène. Je vous remercie, Branton. Mais cela ne m'empêche pas d'être inquiet. Vous refusez encore l'aide de ces chevaliers qui ont offert de vous accompagner? Oui, sire, ils sont courageux, c'est vrai, mais un homme peut sûrement s'aventurer ou ne peuvent pas se risquer 50. Parmi tous les braves, vous êtes le plus brave. Ramenez Hélène en vie et je serai le beau-père le plus heureux de la chrétienté. Quelle étrange bague, Branton, est-elle destinée à vous porter chance? La chance n'a aucun rôle à jouer lorsque la vie de votre fille est en danger. Allez, mon ami, et je souhaite que vous réussissiez. Votre Majesté, ces chevaliers et moi sommes venus nous mettre à votre service. Vous êtes bien généreux, mais qui êtes-vous? Je me nomme Sir George, comte par la vertu de 300 ans de noble lignage. Soyez le bienvenu. Ce sont mes compagnons d'armes, le chevalier Denis de France. Votre Majesté, c'est un honneur. Le baron Ulrich d'Allemagne. Mein Kaiser wir kommen servir. Le chevalier Antonio d'Italie. A servizio. Le chevalier Pedro d'Espagne. Sous servidor, votre Majesté. Sir James d'Écosse. De tout notre cœur, nous partageons les soucis of your Majesté. Et enfin, Sir Patrick d'Irlande. Votre Majesté, notre vie est à votre service tant que la princesse Hélène est en danger. Digne chevalier, je parle au nom du roi. Nous vous remercions pour votre offre. Je suis persuadé que vous rendrez d'immenses services à sa Majesté pendant mon absence. Ce n'est pas là ce que voulait dire Patrick, Sir Branton. Oh, nous sommes-nous déjà vus, dites-moi. Je ne crois pas. Moi, je vous ai déjà vu. Sur les champs de bataille? Pas sur les champs de bataille. Je sais aussi que vous comptez épouser la princesse Hélène. C'est exact. Et je vous inviterai à danser à mon mariage. Je vous remercie. Mais je préférerais danser au mien. Je ne comprends rien à ces paroles. Attendez que nous ayons sauvé la princesse et vous comprendrez alors. Nous? Je la sauverai tout seul. Monseigneur, essayez de nous comprendre. Nous avons tous juré à Sir George de sauver la dame de ses pensées. À Sir George? Que veut donc dire ce français? Rien, si ce n'est que j'aime Hélène et compte l'épouser. Vous êtes d'une impudence. Connaissez-vous les périls du voyage de la terreur? Nous les connaissons, Monseigneur. Si vous refusez notre aide, nous ne nous demandons pas mieux que de nous passer de vous. Comment osez-vous? Que votre Majesté m'accorde la permission de donner à ce gamin une leçon dont il se rappellera. Non, je refuse. Je ne combattrai que pour sauver la princesse Hélène. Êtes-vous un lâche? En garde! Cela suffit. Sir Branton, ces chevaliers me plaisent. Consentez à ce qu'ils vous accompagnent. Leurs 7 glaives vous seront utiles. Oui, 7 glaives. Contre 7 fléaux. Quand partons-nous, Sir Branton? Sur le champ! Princesse Hélène. Nous le savons, nous avons appris votre arrivée ce matin. Je suis la princesse Laura et voici ma sœur Grace. C'est notre 7e jour. Le 7e jour? Notre dernier jour, à moins que... Oh, vous ne croyez surtout pas à ce fameux dragon? Il y avait d'autres jeunes filles à notre arrivée, mais maintenant elles ont toutes disparu. Et voyons, votre père viendra sûrement à votre secours. Je pense que son armée marche vers ce château en cette même minute. Réellement, vous le croyez? Oui, bien sûr. Dès demain, vous quitterez cette affreuse prison. Ah!
sœur. Dites-moi, sommes-nous enfin libres? Notre père ne vous a-t-il pas payé une rançon? Inutile d'y compter. Mais vous avez sûrement pu parler à notre père. J'ai eu 3 longues et tristes discussions avec lui, mais je n'ai pu réussir à obtenir qu'il m'accorde ce que je lui ai demandé. Je ne vous crois pas. Notre père est prêt à tout donner. Non, rien. Il a préféré envoyer une compagnie de ses plus braves chevaliers faire le voyage de la terreur. Ces malheureux n'ont jamais pu vaincre le second de cette fléau. Emmenez-les vite. Venez. Non. Trop atroce. Voyons, c'est impossible. Il ne peut exister en ce monde d'être plus lâche et plus cruel que vous. Oh, vous croyez, Hélène? Ce n'est pas la première fois qu'une princesse est dévorée par le dragon. Nous ne lui en donnons qu'une en pâture chaque semaine. À moins qu'on ne vous accorde ce que vous désirez. Quelle rançon demandez-vous pour moi? Je m'excuse, votre cas n'est pas le même que les autres. Je ne demande aucune rançon pour votre rachat. Et alors pourquoi m'avoir amené ici? Mon dragon fidèle sera affamé de nouveau dans un délai de 6 jours. Venez voir, princesse. Non, non, je vous en prie. Je vous en supplie. Écoutez, leurs cris viennent jusqu'à nous. Ne détournez pas la tête, vous manqueriez le meilleur. Vous voyez, là, tout se passe très rapidement. Maintenant, mon brave dragon peut s'endormir. Oh, c'est horrible. Mais cela ne m'arrivera pas. Leur père a envoyé une compagnie. Le mien enverra une armée. Je suis désolé de vous ôter vos illusions. Mais pour le moment, votre père semble se contenter d'un seul chevalier pour tenter de venir à votre aide. Ne reprochez rien à votre père. Ce chevalier l'a supplié de lui confier cette mission. Oh, et qui est ce valeureux chevalier? Vous devez le connaître. Sir Branton. Sir Branton. Vous ne l'aimez pas? Ce n'est pas grave. Une princesse en détresse ne peut choisir son sauveur. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas. Ni lui, ni aucun de ses compagnons ne pourra venir ici. Ses compagnons? Je croyais que Sir Branton venait seul. C'est ce qu'il pensait faire. Mais un jeune homme, fou autant que téméraire, nommé George, insista pour le suivre. George? Évidemment, vous ne le connaissez pas. Qui est-il? Voulez-vous voir ce jeune homme? Lui, comment? Venez. Il m'est facile de vous le montrer. Dites-moi, lequel d'entre eux est George? Le plus jeune. Il est en tête auprès de Branton. Les sages devraient s'en retourner sans plus attendre. Thank you.
cheval est rapide. Est-ce qu'il se pourrait... Quoi donc? Non, non, non. Une idée stupide qui tout à coup m'est venue. Bien que ce cheval soit rapide, mon ogre va tous deux les manger. En êtes-vous certain? Il vous a eu à votre propre jeu. Oui, il a gagné. Je sais qu'il viendra et qu'il me sauvera. Il n'a aucune chance. Non, personne n'a jamais eu raison des 7 fléaux de Lodak. Il ne vaincra jamais les 6 autres. Dans votre cellule, je vous prie. Toujours aucun signe de vie de notre digne commandant, Sir Branton. Cet homme ne serait-il qu'un païen pour ne pas au moins venir saluer la dépouille d'Ulric et de Pedro? N'est-ce pas plutôt un lâche? Il n'a pas levé son glaive contre ce monstre. Branton, un lâche, sûrement pas. Tiens, quand on parle du diable... Vous n'étiez pas à l'enterrement de nos compagnons?
Mes regrets, chers amis, sont aussi profonds que les vôtres. Mais songez que chaque minute compte. Je crois qu'il valait bien mieux que j'aille reconnaître les lieux. Qu'avez-vous trouvé? Remontez à cheval et suivez-moi. Vous vous rendrez compte par vous-même. Venez voir cela, George. Cette vallée me paraît bien peu hospitalière, Sir Branton. Êtes-vous sûr que nous ayons pris la bonne route? Et sommes-nous seulement sur une route? Le brouillard s'épaissit. Et oui, Denis? Où sont James et Antonio? Denis! James! Antonio! Je suis ici, mon ami! Ici, je suis ici! Approchez-vous de nous! Ne vous éloignez pas! Et où est donc Antonio? Antonio! 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 Je suis ici! De quel côté êtes-vous? Ici! Vous avez entendu? Allez voir par là! Antonio, parlez, où êtes-vous? Où êtes-vous? Ici, Georges, je suis ici! Antonio! Je valise, je perds pied! Donnez-moi la main! Allez, donnez-moi la main, là! Amis. Où est Antonio? Où est George?
Continuons notre route, messieurs. Ils sont perdus pour de bon. L'un et l'autre. Non, pas l'un et l'autre. Antonio a rejoint Pedro et Ulrich. Alors, en avant, messieurs. Quel mal j'ai eu pour arriver à sortir. Mais attends un peu que je t'attrape. Georges? Après tout ce que j'ai fait pour ce gamin, me jouer un tour pareil, me mettre en prison, moi qui l'ai élevé comme mon propre fils. Où est-il passé? Loudac. Georges, alors sa vie est en danger. Vous êtes las. Reposez-vous, Sylvie, reposez-vous. Je ne me reposerai que quand je le saurai sain et sauf. Oh, mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Miroir magique, montre-moi ce que fait mon fils. Pourquoi voulez-vous que mes compagnons repartent, Sir Branton? Vous et moi, nous avons une bonne raison de continuer ce voyage de la terreur. Nous aimons tous deux la même femme. Chacun de nous espère la sauver. Mais quelle raison ont les autres d'affronter les fléaux de Loudac? Étant votre chef, en toute honnêteté, je vous conseille de faire demi-tour alors qu'il en est temps encore. Est-ce que vous entendez cela, George? Nous devrions tourner les talons et nous mettre à l'abri en vous abandonnant, ainsi que Sir Branton. Sir Branton n'a pas tort, je crois. Perdez-vous la raison? Loudac a réussi à abattre nos amis, Ulrich, Pedro et Antonio. Tant que l'un d'entre nous conservera une parcelle de vie, il reste une chance pour que la princesse Hélène soit sauvée. Mais si vous décidez de rentrer, je ne vous en voudrai pas. Mon ami, entre les fléaux de Loudac et la félonie de Sir Branton, vous aurez besoin de nous. Chien d'Irlandais, que veulent dire vos paroles insolentes? Vous osez me traiter de chien, vieil hypocrite? Taisez-vous, Patrick! Je demande une explication. Et vous allez la voir. Les chevaliers pensent que vous préférez continuer seul le voyage pour réussir à vous débarrasser de moi. C'est de la sottise. Niez-vous qu'au début, vous vouliez refuser notre aide, Branton? En effet, je ne désirais pas que vous fassiez ce voyage. Après tout, quel homme a jamais voulu unir ses forces à celles de son rival? Puis nous sommes partis pour le voyage de la terreur. Alors j'ai appris à vous apprécier. Et j'ai eu pour vous de l'estime et de l'admiration. Mais vous voudriez que nous abandonnions Sir George? Vous êtes bien soupçonneux. J'ai craint pour vous tous les dangers de cette aventure. Loudac nous tue tous, l'un après l'autre, de fléau en fléau. Je connais ces dangers. Malgré cela, je resterai avec George. Jusqu'au bout. Nous serions encore des statues le long de ce mur si George ne nous avait pas ramenés à la vie. Et à quoi nous servirait cette vie si ce n'était pour aider un ami à gagner celle qu'il aime? Merci, Patrick. Merci à tous. Vous avez entendu? Oui, je ne peux qu'admirer votre courage. Je vous salue, messieurs. Si on l'écoutait, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Je ne crois pas une seule de ses paroles. Si je réussis à avoir la preuve qu'il nous trahit, jamais Sir Branton ne reviendra du voyage de la terreur. Cela, je le jure. Thank you.
Branton. Mais où êtes-vous? Je suis ici. Vous avez l'air d'excellente humeur, Loddack. Bien au contraire. Je suis d'une humeur massacrante. J'ai horreur de l'incapacité. Vous deviez entreprendre tout seul ce prétendu sauvetage, mais au lieu de ça, vous me faites gaspiller mon fluide pour détruire Georges et ses chevaliers. Vous osez parler d'incapacité? Alors qu'en 3 jours, vous n'avez réussi à détruire que 3 de ces chevaliers importants, malgré tout votre pouvoir magique? Pas tout mon pouvoir magique, Branton. Rendez-moi ma bague, et j'aurai vite fait de me débarrasser des autres. À quoi vous sert cette bague, d'ailleurs? Elle est sans pouvoir entre les mains d'un mortel. Je vous rendrai votre bague une fois que j'aurai la princesse. Tel était notre marché. N'avez-vous pas confiance? Ce serait de l'inconscience. Vous êtes un insolent! Je ne sais pas ce qui me retient de vous jeter un sort, de vous changer en chien ou en rat, et de reprendre la bague. Bien. Allez-y. Donnez-moi ma bague tout de suite. Donnez-la. Je l'exige. Non. Non, Loddack. Tant que j'ai cette bague, je n'ai pas à vous craindre. Mais quand vous l'aurez récupérée, rien ne me protégera plus contre vous. Pourquoi voudrais-je vous nuire? Pourquoi m'aideriez-vous? Je sais que si vous m'aidez, c'est pour retrouver cette bague que vous avez eu la sottise de perdre un jour. Je tiendrai ma parole, et je vous la remettrai avant la fin de cette semaine, quand j'aurai passé le cap des 7 fléaux et obtenu la princesse. Vous êtes dur en affaires, Sir Branton. Non, vous et moi, nous savons ce que nous voulons, et nous l'obtiendrons l'un et l'autre, à condition que vous me débarrassiez de ces gens, et en particulier de Sir George. Sir George, en effet, oui. 2 fois déjà, il a pu échapper à vos pièges et il continue. Cessez de vous inquiéter, Branton. Vous êtes plus agaçant qu'une vieille fille. Mais qu'arrivera-t-il si avant 5 jours, George et les autres échappent à la mort? Ils seront morts bien avant. Et dans quelle souffrance? Pire que tout ce que j'ai jamais inventé. Justement, un chevalier arrive. La mort le guette. Eh bien, on dirait notre baron français. Il m'a suivi. Il a vu mon cheval. Ça ne fait rien. Gardez votre sang-froid. Laissez-le venir par ici. Je vais m'occuper de lui. Vous êtes française? Naturellement, monsieur. Comment vous appelez-vous? Marjolaine, monsieur. Marjolaine. Ma jolie Marjolaine, je ne sais pas ce que je ressens. Oh, messire. Oh, Denis, je t'aime, mon cher amour. Chérie, j'aime tant tes baisers. Donne-moi tes lèvres encore une fois. Ah, non, non. Ah. Chérie, je te jure que je t'aime. Moi aussi, cher Denis, je t'aime. Va-t'en. Vous m'avez sauvé la vie, mon ami. Nous sommes terribles, nous, Français. Nous ne savons pas résister au charme d'une belle fille. Loddack vous a ensorcelé. Oui. Oui, j'aurais dû me douter qu'une aussi belle créature ne pouvait être dehors aux aurores. Mais il ne me restait plus une seule idée en tête. Si, il m'en restait une. Loddack connaît la passion des Français.
Pourquoi étiez-vous là? Je ne sais plus pourquoi. Mais si, mon Dieu! Pourquoi? Brampton! Expliquez-vous. Il est dans ce moulin. J'ai vu son cheval. Je suis sûr qu'il y était. Il y est encore. Sir Brampton! Seigneur Brampton! Bonjour. Bonjour, chevalier. Quelle rencontre, hein? J'allais le dire. Que faites-vous donc par ici à cette heure? Mais il faut organiser notre expédition. En tant que commandant, j'ai cru de mon devoir d'étudier la région. Et le premier étage du moulin m'a servi d'observatoire. Hier déjà, quand vous avez inspecté le terrain, Antonio a été tué. Mais je vous conseille de faire demi-tour, Sir Denis. Vous connaissez ma réponse à votre suggestion. Comme vous voudrez. Allons réveiller les autres et partons. Vous en prie. Maladroite. Oh, Lodak, j'ai cru que j'allais réussir, j'ai essayé. J'allais les tuer tous les deux et, oh, cette croix, j'ai été aveuglée. Oui, oui, je sais. C'est une croix magique. C'est évident, ce chevalier est magicien. Sir George? C'est ainsi qu'il a franchi le cap des trois fléaux. Un magicien. Et dire que je n'y voyais rien. Sibyl, sa mère adoptive, travaille contre moi. Son pouvoir est puissant, Lodak. Ça, je le sais. Comment allez-vous le combattre? Pourriez-vous réussir sans votre bague? Contre la magie de Sibyl, je ne peux rien. Mais lorsque j'aurai ma bague, j'en sera fini de Brampton. Et la princesse servira de peinture à mon dragon. Ce que je dois faire, c'est rassembler toutes mes forces magiques. Dire que je comptais sur toi pour détruire ce chevalier français. Tu as été idiote. Sais-tu que tu mérites une leçon? Je te la donnerai tout de suite. Tu tisseras ta toile pendant 5, 6, 10 heures. Tu seras une araignée jusqu'à ce que j'aie de nouveau besoin de toi. Je te salue, Sibyl. Lodak, toi. Comme tu as vieilli. Je réfléchis, on ne s'est pas vu depuis, voyons, une centaine d'années. Je ne veux pas t'adresser la parole. Mais moi, je veux te dire quelque chose. Tu m'as causé bien des ennuis, figure-toi. Lodak, si jamais tu touches un seul cheveu de mon fils, tu t'en repentiras. Je suis tranquille. Tu n'as jamais été une sorcière très adroite, Sibyl. Tu n'as vraiment aucun talent. Aucun talent? Oh! Tu n'es bonne à rien, Sibyl. Avant 4 jours, la princesse Hélène servira de pâture à mon dragon. Oui. Et sache que ton fils périra après elle. Mais tu ne peux rien y faire. Tu ne pourras qu'assister à sa mort sur ton miroir magique. À moins que je ne te prive aussi de ces images. Lodak, reviens, reviens! Mon cher miroir, montre-moi de nouveau Lodak! Aucun talent, moi. Bonne à rien, moi. Et il ose dire que je ne puis rien pour Georges. Lodak, il regrettera de m'avoir dit ça. Sapristi. Ça fait si longtemps que je n'ai pas essayé cette recette. Est-ce une cuillère à soupe ou bien est-ce deux? C'est sûrement une. Bien. Où sont les cendres d'ongles de poulet? Voyons, voyons. Il faut que je mette des dents de souris. Manque-t-il encore? Ah, un œil. Non, il ne faut pas d'œil là-dedans. Oh oui, je sais, je sais. Mmh.
la cire, de la poudre d'étoile. Furies infernales, filles des parcs, démons implacables, vampires du lac, accordez à Georges un pouvoir démoniaque, centuplez sa puissance et faites que périsse l'Odac. Je me demande ce que m'y jette la patronne. Je me suis trompée. Mais qu'avez-vous fait, Sibylle? Malédiction, j'ai causé la perte de Georges. Je lui ai enlevé son pouvoir magique. Georges n'est plus magique. Denis! James! James! Dennis! Répondez, où êtes-vous? La trace des pas de leurs chevaux. Je ne crois pas qu'ils soient devant. Cette chaleur est atroce. Oui, elle augmente de plus en plus. Vous auriez dû les empêcher d'avancer sans nous. Facile à dire. Ils se sont levés avant le soleil, mais bien décidés à n'en faire qu'à leur tête. Denis n'avait plus confiance en moi pour explorer le terrain. Vous auriez dû me le dire. Ils avaient promis de revenir avant l'aurore. Dennis! James! Si cette chaleur ne diminue pas, ils vont sûrement brûler comme des torches. Je ne peux plus respirer. Je ne peux plus remuer les jambes. N'avancez plus. Repartez. Repartez, sinon c'est la mort. Demi-tour. Reculez. Nous sommes pour l'ennemi. La mort vous guette du haut de ces rochers. Denis! James! Secourez-les, seigneur. George, avez-vous remarqué la tête de Branton? Nous suffoquons de chaleur et lui ne transpire même pas. Pourquoi, Branton? Cela, chevalier, c'est mon secret. Ce démon. Il est entré dans cette grotte. J'y étais, mais je n'y suis plus, George. Branton. Je le regrette, mais je dois vous quitter. Oui, j'ai un tendre rendez-vous avec la princesse Hélène. Et je dois voir aussi mon ami Lodak. Bandit! Oui, son château est au haut de la colline. Y a-t-il un message pour lui ou la princesse? Vous ne nous échapperez pas, Branton! Oh, je suis déjà hors de votre atteinte, George. Peut-on faire? Il faut sortir. Avec Ascalon, ce sera facile. Ascalon? Vous ne savez pas que mon épée est magique? Elle ouvre porte, mur, sol ou grotte. Elle n'est plus magique. Ni votre cheval. J'ai peur que l'habileté de notre ami Lodak ne surclasse la vôtre. Non,
c'est inutile. Vous allez briser votre lame. Il y a forcément un moyen de sortir d'ici. Venez par là. Suivez-moi. Sir George approche à cheval. Comment a-t-il pu sortir de cette grotte, Lodak? Par la magie? Non, d'une autre manière. Comment y est-il arrivé? Grâce à une force supérieure à celle de la magie. La puissance de la foi de Patrick. Je le vois. Il arrive. Le voici. Il franchit l'entrée du château. Où va-t-il? Chut, chez Hélène.
Jacques, je ne le veux pas. Soyez tranquille, tout va s'arranger au mieux de vos intérêts, c'est promis. Il ignore le chemin qui conduit à sa prison. Rassurez-vous, le charme du sixième fléau est déjà en train d'opérer. Hélène. Georges. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Dites-le-moi. Vous êtes bien là, Georges. Ne serait-ce pas encore un tour de magie? Je suis aussi réel que vous l'êtes. Comment me connaissez-vous? Je crois que je vous aurais reconnu de toute façon. Surtout que Lodak m'a montré les scènes de votre voyage jusqu'à moi. Oui, il m'a infligé cette torture. Et toujours, il me jurait que jamais vous n'arriveriez jusqu'ici. Pourtant, je suis là. Et nous allons partir. Oh, je me sens tellement heureuse que je songe. Ne songez pas trop. Laissez-moi vous embrasser. Vite, partons avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est devenu Sir Branton? Je ne sais pas, mais je sais ce qui lui arrivera si jamais je le rencontre. Il est sûrement ici, au château. Laissez donc, Branton, plus rien ne compte à présent, excepté nous et notre liberté. Je vais voir si la route est libre. Quoi? Pas de bruit. Soyez le bienvenu. Je me demandais si vous alliez venir un jour. Branton. Est-ce là que vous cherchez? Princesse, nous allons partir tous les deux. Non, Hélène, non. Mais c'est mon désir, George. Êtes-vous bien certain que vous n'oubliez rien? Oh, la bague. Je tiens ma parole. Très bien. Hélène est à vous, si vous voulez toujours d'elle. Oh oui, je veux toujours d'Hélène. Et elle veut de moi. Aujourd'hui, demain et toujours. Hélène. Quelle est cette horreur? Hélène! Est-ce que vous pensiez que je tiendrais ma parole lorsque j'aurai la bague? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Où est Hélène? La voici. La princesse est à moi, suivant notre marché. Je ne traite pas avec les mortels. Je les détruis. Monstre! Allons, Branton, si l'on s'occupait aussi de vous. Emmenez-la dans l'antre du dragon. Ah! Hélène! Et conduisez Sir George au cachot. Non! Hélène! Il faut que je trouve, sinon c'en est fini de mon fils et de la princesse. Que ferez-vous donc, Sibyl? Je vais chercher. Cherchez. Cherchez à me rappeler la bonne formule. Pour rendre à Georges sa puissance magique? Naturellement. Il faut que je trouve. Mais où est donc l'erreur? Furies infernales, filles des parcs, démons implacables, vampires du lac. C'est dans ce qui suit. C'est là que je me trompe. Et ça rime avec lac. Bac? Vrac? Tic-tac? Non, non, rien de tout ça. Non, allons toujours au château de Lodak. Oui, je vais y aller, je n'ai rien de mieux à faire. Je chercherai en chemin. Il faut le sauver, Sibyl. Oui, j'essaierai. Bien. En route. Sir Georges,
Voici l'authentique Hélène, c'est bien elle. Alors, jeunes gens, allez-y. Et montrez-nous comment de jeunes mortels qui s'adorent, avant de mourir, se font leurs adieux. Oh, voilà qui est tendre. Dommage qu'il soit trop tard, mes enfants. Oh, je vous aime, Georges. N'oubliez jamais cela. Je vous aime, Hélène. Venez, Hélène. Hélène. De la fenêtre, vous verrez bien le spectacle, sœur Georges. Un festin, un festin. L'Odac veut qu'on prépare un festin. Vite, prends les moins coriaces de ces vauriens pour en faire un ragoût. Toi, choisis les vins et les autres savent ce qu'ils ont à faire. Vite, pressons, vite, vite. Vite. Coupez les cordes et libérez mes poignets. Vite. Merci de tout mon cœur. Mon épée est encore une arme, avec ou sans sortilège. Sibyl, tu viens assister à la mort de Georges ? La bague ! Oui, je l'ai. Maintenant, tes sortilèges ne m'atteindront plus. Tu vas voir mourir Georges !
je pouvais lui redonner sa puissance magique. Voyons, furies infernales, filles des parcs, démons implacables, vampires du lac. Et ensuite, il faudrait que j'arrive à me rappeler la dernière phrase. Qui attaque. C'est ça le mot. Furies infernales, filles des parcs, démons implacables, vampires du lac, rendez à mon fils son pouvoir d'attaque. Qu'importe ta sorcellerie, il mourra quand même. Que les démons de l'enfer te maudissent par ma voix. Tu n'as pas encore gagné. Tu as osé me jeter un défi. Six fléaux l'ont pu te détruire. À présent, tu vas affronter le septième fléau. Moi, l'invincible. Quand je vais te réduire en cendres. À moi tous les démons de l'enfer! Exaucez-moi, je déchaîne le septième fléau!